bien sûr, exactement. On ne s'était pas préparé à cette compétition, donc on est en pleine période de travail. Donc c'est bon signe de pouvoir nager aussi vite dans des conditions pas affûtées, on va dire. Et puis voilà, continuer à bosser. Et puis voilà, les championnats de France vont vite arriver en juin. Donc ce chrono ce soir montre qu'on est sur la bonne voie. Donc je vais continuer comme c'est prévu avec mon coach. Et puis, voilà. J'avoue que depuis les Mondes à Budapest, je ne l'avais pas fait, donc ça fait plaisir de le faire ce soir, surtout qu'on n'est pas affûté, on est en période de travail. Et franchement, je l'ai dit à mon coach, Michel, j'ai envie de faire un 59 ce soir, quoi. Je le sens, je l'ai dans les jambes. Et de savoir que je peux faire confiance en mes sensations et mon état de forme, ça fait plaisir. C'est vrai que ça n'a pas été facile, hein. J'ai eu une grosse compétition à Budapest. C'était ma première grosse compétition avec l'équipe de France en plus. Les championnats d'Europe ne se sont pas déroulés comme je le voulais, évidemment. Mais en même temps, je suis un peu contente que ça soit passé comme ça parce qu'au moins j'ai pu apprendre beaucoup de choses assez tôt en une saison. Donc voilà, dès que je suis revenue en septembre, je savais quoi faire et j'ai réussi à me remobiliser parce que déjà... Je suis entourée d'une belle équipe et du meilleur entraîneur de France, donc c'est vraiment sympa.